Le bon squat. Oh là là. Boss les gars. Gros braquet. Wow. Gros braquet. Salut tout le monde, c'est Loti, j'espère que vous allez bien, on est en compagnie de Braggy. Salut Braggy. Wesh. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Heroes and Generals, petit jeu que nous avons découvert récemment. On n'y a pas encore trop joué. En fait on avait fait un premier enregistrement dessus, mais il s'est avéré que on ne m'entendait pas sur la vidéo. Tu veux que je fasse te prendre en camion? Ah je veux bien. Du coup c'est un petit jeu multijoueur, vas-y je suis là. Un petit jeu multijoueur sur un compte fait E. Bon ok, c'est pas grave, tu restes comme ça. Mais si tu appuies sur un moment, tu peux. Hein. Bah ouais, j'essaye, mais. Ah, mais non, c'est parce que attends, je suis pas encore dans la zone de combat. Voilà. Et donc, du coup, c'est un petit jeu multijoueur sur. En gros, le contexte, c'est la Seconde Guerre mondiale et on peut incarner plusieurs factions. Donc, nous, on est les Russes. Et là, on se bat contre. C'est quoi, c'est les Allemands. Du coup là c'est quoi, c'est capture de, enfin c'est capture point de contrôle quoi. Ouais. C'est un jeu qui est pas trop mal, sachant qu'il est gratuit, donc moi je sais pas ce que t'en penses hein, mais. Écoute, c'est tout à fait honorable. J'ai trouvé un lance-roquette. Ouais, en fait tu peux avoir des lance-roquettes, mais genre ils ont, enfin il y a qu'un seul missile dedans. Ah non. Et en gros tu, je sais pas comment t'expliquer, c'est genre tu sais une arme que tu peux prendre, mais c'est pas une arme que tu pourras avoir dans ton inventaire quoi, tu vois. Ouais. Du coup c'est un jeu dans lequel on peut bah, gagner en grade, s'acheter des équipements on va dire. D'ailleurs j'ai acheté des jumelles et tout, mais je ne sais pas comment les utiliser. Ah la belle affaire. Vas-y je vais reprendre le camion, on va aller conquérir d'autres terres. Attends vas-y, j'ai pris un lance-roquette avant de partir. Ouais nickel. Je t'attends sur la route. Ouais, je me suis tiré dessus. Ouais, vite, 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 monte. Putain, il prend 3 heures. Merde. Ah, je suis descendu. Vas-y. Fais gaffe, y'a un truc. Y'a un camion devant nous. Ah. Putain, y'a là les ennemis, mec. Ah. Bon, je m'en fous, j'y vais en mode. Y'a un joueur allié, il m'a lancé une grenade dans la gueule, je crois. J'en ai tué un. Moi, je sais pas si j'en ai tué, j'ai une tête blessée. Ok, t'es là. Ouais, je suis là. Wesh. Oh putain, je suis fait buter. Ah. Ah, mais c'est que je suis un truc ennemi là. Putain, mais en fait, ils ont. En fait, ils ont v'là la. Le territoire là. Sont un petit et peu oui. Niqué en fait. Yo. Yo. On prend un vélo ou. Vas-y, t'es chaud. Soit tu peux monter derrière moi, soit il y en a un autre là, je crois. Ouais, non. C'est bon. Alors, par contre, le vélo c'est le truc le moins gérable au monde. T'imagines, tu vas à la guerre comme ça. Allez, lui. Ah, mec. Oh, les gros bâtards. Qui avait zéro chance. Oh putain, y'en a un là. Ah. Attends, je suis en train de le buter. Il est mort? Non, il est caché, c'est bon, je l'ai tué. Putain, on a vu première place. Non, faut que je revienne à la zone de quoi. Faut passer par l'eau du coup. Je crois pas. Damn. Par contre, faut qu'on aille prendre les autres bases parce que les sont en train de gagner, là les points. L'Allemagne, 75% de l'objectif. Bravo Nils. Alors, t'es derrière moi là ou pas? Non. Pas du tout, je suis mort, du coup je suis hyper long. Parce que du coup moi je suis en train de m'infiltrer dans une. Putain mec. Je vois qu'il y en a qui sont avec des bazookas là. Putain on va perdre là. J'avoue. Ça annonce. Eh merde. Ah putain. Ça annonce du très sale. T'as le droit de pleurer Théo? Oui non mais t'inquiète, ça va aller. Okay. Ah tu t'es déployé trop long je crois, ouais.
Je suis où? T'es tout seul. Ah, parce qu'on pouvait, pouvait se déployer plus près. Ouais. Merde. Je m'en fous, j'ai un camion. J'arrive vous chercher. Bon, déjà, ça fait zizir de savoir qu'il y a des. Putain, il y a des avions par contre. Hein? Mec, je vois un avion dans le. Ah ouais, putain. Je sais pas si c'est un vrai ou. Mec, il fait des mouvements bizarres, je pense que c'est un vrai. Mec, s'il y a des avions, on va se faire mais déglingue. Non, mais clairement. C'est bon, on a capturé un point déjà. Ok, moi j'arrive avec le camion, comme ça on va prendre par la vitesse. Hashtag les Allemands quand ils ont défoncé la France en seulement 3 semaines. La Blitzkrieg, ma base. C'était un assemblage de chars et d'avions. Waouh! Non, c'est notre patate. Il déconne zéro lui, hein. Donc je pense qu'il doit vraiment avoir des avions parce que ça, c'est un truc anti-aérien. Ok, on va foncer dans les lignes ennemies, vous êtes prêts, les gars? Ah! Oui, non, mais t'inquiète. Ah, c'est trop stylé, mec. J'ai fait une roulade et tout. Bon, du coup, je suis mort, mais j'ai réussi à en tuer un, du coup, je m'en fous. Ah, je parle pas de là. J'ai tué Darksiders. Un mec, hein. C'est le plus sale. C'est marrant, il y a encore des mecs qui s'appellent XXX machin. Non, mais c'est ça, cycliste. Tape des wheeling pour la seconde guerre mondiale. Ok, je me cache dans la broussaille et je me fais tirer dessus. Allez! Oh putain, y'a un mec qui vient de se faire défoncer devant moi, c'était plutôt. J'arrive, te voir. Putain, j'ai envie de vomir quand je vais en première place. Viens là, Michel. Michel! Lâche-moi, Michel! Tu me laisses! Fais gaffe, y'a un mec là-bas caché. Je l'ai blessé. Ça, j'essaie de plus avoir de grenade. Je sais. À son où tes grenades, toi? Ah, je me suis fait buter. Putain, mais moi aussi. Mais moi, en fait, c'est que j'ai plus de munitions. Enfin, j'ai plus de grenades, quoi. Mais genre, tes grenades, tu les as avec ton inventaire? Ouais. Genre, tu fais tourner ta molette et t'as tes grenades? Ouais, toi, t'as une pelle, non? Peut-être bien, ouais. Mais j'arrive pas à la prendre. Je crois qu'en fait, je les ai pas mis dans mon inventaire. Là, je vois aucun ennemi, là. Ok, vas-y, Bragui. Avec ton petit lance-roquette, là. Ah! Putain, j'en ai marre de mourir. Ok. Vous êtes en train de prendre un point là? Je sais pas, mais je viens de tuer un mec, c'était cool. J'ai kiffé ça. Franchement, à refaire, les gars. Oh putain, mec, je me suis fait gangbang, c'était atroce. Putain! En même temps, il avait une try-me. La try-me, les gars, la try-me. Mitraillette, yet try-me. Putain. Pas une yet try-me. C'est vraiment de l'escarmouche là. Ça, c'est beau. C'est beau le jeu qu'on fournit là, j'aime bien. Y'a un cumé sur le toit de l'espèce de frontière là. C'est un mexicain. Descends de là! Putain, j'ai une vision périphérique là, mais j'ai une mitraillette, c'est nul. Y'a tout le monde qui est sur le toit, le mec s'est fait allumer. Putain, y'a des gens qui sont derrière nous. Je vais me faire buter parce qu'il y a un mec derrière moi, quoi. Putain, j'ai pété une vitre avec le vélo. Ok. On est en train de prendre le truc, on est en train de reprendre le truc. Vas-y. On est en train de reprendre le truc, on va y arriver, Putain. Le truc. Mais non, le truc B3, on est en train de le prendre. Putain! C'est ah! Oh, j'ai gagné Vlad et tu, par contre. Putain! Wow. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Ça va se terminer sur deux défaites, malheureusement. Hein. Deux défaites, mais c'était une très belle bataille. Hein. On a perdu de la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, comme on dit. Enfin, on a perdu deux batailles, mais pas la guerre. Enfin, voilà, t'as compris. Du coup, bah, merci Bragui pour avoir participé à la vidéo. Hein. Avec plaisir. De toute façon, on se retrouvera plein d'autres fois et je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et on fera sûrement une série de vidéos sur des petits jeux gratos comme ça, post-apocalyptiques, afin de perpétuer la tradition sur cette chaîne, hein, ma foi. Allez, la bisaille et puis portez-vous bien. La bise.